Amis lecteurs, les bibliothèques de Senef vous présentent un nouveau projet, Thibaut d'Histoire. Régulièrement, vous pourrez retrouver la grande et la petite histoire de l'entité. Pour inaugurer cette initiative, nous vous présentons Marcel Dussaussois et son épouse Martine Dose. Pourquoi ce choix? Suite à la publication de l'admirable monographie « L'univers de Marcel Dussaussois et Martine Dose » par Daniel, leur fille, une exposition était prévue fin avril au centre de Lyon. Vu l'actualité sanitaire, cette organisation est reportée ultérieurement. Pour patienter, nous avons décidé de vous mettre l'eau à la bouche avec cette petite vidéo. Né en 1927 à Senef, Marcel est très vite attiré par le dessin, la peinture. Il utilise tous les matériaux de récupération qu'il trouve. Carton, papier, une halite, vieux drap. Pour acheter des tubes de couleur, il récolte des vieilles ferrailles qu'il revend pour quelques francs. Avec la terre, il réalise les bustes de ses proches, mais comme il n'a pas de four, les œuvres sont éphémères. Il a 12 ans quand la guerre éclate. Son père est arrêté et déporté en Allemagne, d'où il reviendra avec un emphysème pulmonaire. Marcel vit avec sa mère et ses grands-parents à Senef. La vie est difficile. Il restera à tout jamais marqué par cette période. C'est en 1947 qu'il commence à donner des cours de peinture à Martine Dose, passionnée elle aussi par le dessin. Martine vient en vacances chez sa tante, voisine des grands-parents de Marcel. Sa maison a été bombardée à Anvers. Un amour profond grandit, basé sur le respect mutuel et la complémentarité artistique. En 1952, ils se marient et deux enfants viennent enrichir le couple, Daniel et Michel. Marcel Dussaussois est profondément attaché à sa région. Entre 1991 et 1998, il parcourt les campagnes afin d'immortaliser le petit patrimoine architectural en péril ou déjà en voie de disparition. Ainsi est née la série de monographies « Chasse aux vieillissances ». Il le dit lui-même. Je n'ai pas voulu faire œuvre historique. Les historiens locaux sont beaucoup plus compétents. J'ai simplement voulu constituer un recueil de dessins artistiques traitant par extension des vieilles fermes de l'entité senefoise. Pour son premier livre, Chasse au trésor dans l'entité de Senef, il dit ceci. Pendant 5 mois, j'ai chassé des trésors dans ma région natale. Oh, il ne s'agissait ni de pièces d'or, ni de bijoux, ni de pierres précieuses. Mais de vieilles briques, de vieilles pierres, amoureusement façonnées et assemblées, pour créer des chapelles, des oratoires, des potales, des croix. Son épouse, Martine Dose, participe aussi à cette œuvre en coloriant certains dessins et surtout soutenant et accompagnant son époux. Artiste peintre, Marcel Dussaussois était aussi poète, nouvelliste, essayiste et conférencier. Il écrit entre autres des poèmes, des nouvelles, dont une, « Les Mardés » en 1952, qui a pour cadre l'ancien canal de Charleroi-Bruxelles et le village de Senef. Ensemble, le couple expose partout à partir de 1964. Ils ont participé à diverses associations artistiques et littéraires, et en 1969, ils créent la section belge de l'Académie européenne des arts. C'est en 1974 qu'il fonde le groupe Aureus Ordo, qui se donnait comme mission de favoriser le partage des savoirs et l'épanouissement des nouveaux talents artistiques. L'Académie libre de Manage, atelier de dessin, de peinture et de sculpture, a fonctionné pendant 28 ans. Martine Dose, née en 1932 à Borgerhout, est aussi artiste peintre et poète. Marquée elle aussi par les horreurs de la guerre, elle exprimera dans ses œuvres la dualité entre mort et vie. Dieu est amour. Chaque être humain est libre de choisir l'amour ou de le rejeter, de se détruire lui-même en faisant le mal ou de rejeter la lumière. On retrouve dans son travail souffrance, finesse, sensibilité. Ses tableaux sont messagers d'une renaissance à travers le pardon et le don de soi. Leur amour de l'art et de l'écriture est transmis à leurs enfants.
Daniel poétise, Michel sculpte. À 71 ans, Marcel est terrassé par une double bronchopneumonie. Au plus fort de la maladie, il voit une sphère lumineuse qui s'immobilise au-dessus de son lit. Il comprend qu'elle vient le chercher. Il supplie de pouvoir encore rester auprès de son épouse bien-aimée. Marcel obtient un sursis. Il peint dès lors des sujets mystiques et des paysages inspirés. Vierge à l'enfant, symbole de pureté, message d'espoir aux jeunes générations. C'est en janvier 2007 qu'il décède. Sur sa stèle est inscrite la pensée suivante. La quête de la lumière à travers l'art nous unit en prière d'amour sur le chemin de l'infini. Mais Marcel et Martine, c'est bien plus que ce que j'ai pu présenter dans cette vidéo. C'est pourquoi une exposition sera organisée dès que la situation le permettra. Voilà, ici se termine notre premier rendez-vous. Les bibliothèques de Senef remercient chaleureusement Daniel pour le très beau témoignage que constitue son livre, marque d'un amour infini et profond pour ses parents et l'art. À très bientôt pour de nouvelles découvertes de l'histoire de Senef.